Coucou les filles, donc aujourd'hui petite astuce manicure, comment coller des stickers soi-même. Donc je vais vous présenter tout ça et à tout de suite. Alors pour commencer, il vous faudra de préférence des petits vernis comme ça, avec une mine fine. Ainsi que en dessous de cette mine, nous avons un pinceau hyper fin, exprès pour faire des dessins sur les ongles. Donc ça, vous pouvez les trouver un peu partout. Moi, je les ai eus sur eBay. Ce petit embout là, moi, je vais faire sans, car en gros, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés et à force, en gros, ça fait que le trou se bouche, donc c'est très chiant. Justement, ils mettent avec, bah là j'en ai plus, c'est une petite aiguille qu'ils mettent derrière justement pour pas que ça se bouche. Donc vous prenez des cure-dents comme ceci. Ce qui va vous remplacer le petit embout que je viens de vous présenter et qui ne marche plus pour moi. Donc pour commencer, vous mettez une bande de transparent qui est à peu près la taille de votre ongle. C'est pas grave s'il est trop grand, après nous allons l'enlever. Donc nous allons commencer. Donc moi je vais faire un petit cœur noir. Donc pour cela, on fait deux petits points et on les relie. Les filles, j'ai enfin fini. Alors je vous montre ici, j'ai un cœur avec du gris à l'intérieur, un love, un you, encore deux cœurs. Là un cœur rose, mais j'ai mis du violet à l'intérieur avec des paillettes et tout. Donc je suis assez contente de moi, je trouve ça assez joli. Ensuite ici j'ai mis un cœur avec la base avec les paillettes, mais je trouve qu'il est pas joli, donc je vais pas le coller sur mes ongles. Alors pour le mettre sur nos ongles, vous munissez d'une pince à épiler comme ceci et ensuite vous gratterez pour décoller la base transparente que nous avons mis au début. Nous allons mettre du transparent sur notre ongle pour coller le sticker que nous venons de décoller sur la feuille. Donc on en met sur tout l'ongle. Voilà. Puis ensuite, avec notre pince à épiler, on vient prendre le sticker et on le colle de la façon où on veut. Hop. Ensuite, on appuie bien pour que ça adhère à l'ongle. Voilà, ça donne ça. Et donc ensuite, ne vous inquiétez pas pour le transparent qui dépasse ici, car
On a juste à tirer et ça va s'arracher automatiquement. Hop. Et sur les côtés, c'est pareil. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà les filles, le tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!